investit et ça produit des femmes inintelligentes comme ça qui sont coincées. Toi, ta grosse tête, quand tu es assis chez toi à la maison là-bas, tu te coinces dans un petit couloir pour faire les directs bizarres. Une femme hypocrite, j'ai même vu une femme baroulée hypocrite. Hypocrite comme ça, les baroulées sont mes belles familles. Hein. Je ne parle pas d'eux tous, mais toi, tu es une fille baroulée hypocrite. La plus hypocrite qui est venue détruire Facebook avec ta camarade, son front aussi, on dirait son cul musclé là. Vous êtes venu détruire Facebook dans vos sorcelleries là. Vous croyez que vous pouvez faire ça sur qui? Vous pouvez faire ça sur qui? Quand vous regardez là, vous pouvez faire ça sur qui? Hein? Vous êtes là tous les jours, c'est vous qui voulez vous asseoir sur la vie des gens. Quand vous ne moyennez pas quelque chose là, ne vous asseyez pas dessus pour faire. Tu as compris, non? Quand tu ne moyennes pas palabre là, tu ne lèves pas, tu ne vas pas gratter croûte. Quand tu as une plaie et puis tu ne moyennes pas là, tu ne grattes pas croûte qui est dessus. Vous ne moyennez pas, ta fille est venue là, elle a parlé, on l'a limée deux fois, elle n'est pas rentrée. On a limé deux fois, comme on t'a limé là, tu n'es pas devenu zézé. Des malades mentales comme ça, vous voulez vous asseoir là pour rendre les gens fous. Vous croyez que les gens ont que ça à faire sur Facebook? Vous pensez que c'est on a que ça à faire sur Facebook? Vous pensez que nous on est là à votre disposition pour venir vous regarder? Vous pensez que vous êtes les marionnettes de Facebook? Quand vous ne mourrez pas dans votre maison, votre mari là, s'il ne bande plus là, déposez-le, de toute manière vous mourrez dehors déjà, on connaît. Vous mougoussez dehors, vous avez le petit gars dehors qui vous défonce tous les jours. Jusqu'à maintenant, tout s'est exposé partout, ça a pété sur Facebook. Je me demande, mais si tu es en quoi le monsieur qui t'a jeté là? Toi, tu peux parler de mari à jeter quelqu'un dehors? Toi, tu peux parler de mari à jeter quelqu'un? Tout le monde connaît mon histoire à Londres ici. De toute façon, mon mari et moi, on s'est séparés là. Tout le monde connaît mon histoire. J'ai frappé ma rivale. Ok? Celle qui sortait à mon mari là, je l'ai frappé. Voilà. Si vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, il faut demander. Tu vas aller t'asseoir sur le panel pour mentir. On dit que sa mari l'a attrapé. Moi, quand j'étais mariée, j'aimais mon mari. Mon mari, c'était un homme pour moi. Mon mari, je le respectais. Quand quelque chose n'a pas marché, moi, dans mon couple, j'avais la communication. On s'est assis, on dit, ça ne marche pas, on ne peut pas se laisser. Mon mari est revenu demander pardon. Après plusieurs années, il est venu demander pardon. Mais ça ne pouvait pas marcher parce que j'étais déjà dans une autre relation. Tu as compris? Tu as compris? Faut bien te renseigner. Quand tu vas t'asseoir sur le panel, et puis tu goûtes tes bœufs là. Ta lâche bouche là, quand tu ouvres ça là, il faut te renseigner. Salope, Janjou, ton con se promène sur Facebook là. Faut pas essayer de courir derrière ça pour rattraper ça, pour mettre ça à la maison. Ton con qui se promène là, faut pas essayer de rattraper ça partout. Tu m'as provoqué, hein? Tu me mets le doigt dans la bouche, je vais te chiffler avec ça. Tu me mets le doigt dans la bouche, je vais t'engager avec ça. Je t'ai déjà dit, j'ai dit que ne réveillez pas le lion qui dort à moi. Ta fille et toi, vous êtes assis chez vous là-bas, vous êtes tellement jeune, tellement votre mari sont impuissants. Votre mari sont impuissants, leur boda là ne peut plus vous baiser là. Vous êtes parti vous asseoir là-bas pour dire qu'on va les provoquer un peu. Maintenant tu cours avec ta tête coco taillée, tes cheveux qui arrivent jusqu'à derrière ici là. On dirait quelqu'un qui a frontanelle là. Toi tu vas t'asseoir pour parler. Tu vas t'asseoir pour parler de qui? Tu parles de qui? Quand tu me regardes, toi tu peux parler de moi? Tu peux parler de moi? J'ai dit, maladie dont tu parles là, ça tue plus. Les gens accouchent, on ne fait plus ces aériennes, tout ça, il n'y en a plus. Ça ne fait rien. Mais toi, tu as tilapia qui est dans ta maison, qui n'a plus de pied, qui est handicapé là. Il faut enlever ça dans ton placard. Chacun a pour lui. Tu dis que moi, je suis malade, ok, je reçois. Mais toi, ton handicapé là, qui est dans la chaise roulante dans ton placard là, il faut enlever ça, tu as de congeler. Aïe, aïe. Quelqu'un peut avoir balèze maladie comme ça dans sa maison. Il est malheureux, il est assis là-bas. Et puis toi, tu vas t'asseoir pour venir insulter les gens sur panel. Toi, tu peux insulter quelqu'un sur panel. Quand tu me regardes là, je suis une personne que tu peux, toi, tu peux insulter. Hein? Tu es pétri comme ça, musclé. Je ne sais pas quel garçon, ton ou garçon baisse là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tout est musclé sur toi. Mollet musclé, cuisse musclé, bras musclé, ventre musclé. Fais pitri, visage gnégnérin. Toi comme ça là, toi tu vas t'asseoir sur le panel pour citer quelqu'un. Toi ou même les gens même sont faits et puis ils mougou là, mais je vais. C'est pour ça que le gars là il bande plus. Tellement il bande plus parce que ta femme là il voyait pas ça. Tellement tu as bassé le gars, il te voyait pas. Maintenant il voit la vérité. Il voit que toi avec toi là, ce qui marche là, c'est aller dehors. Il a go dehors. Tu as fini de te battre avec les rivales. Tes rivales qui sont dehors là, tu as fini de les frapper.
Ceux qui sont dehors là-bas, tu as fini de les frapper. Ceux que ton mari prend, et puis toi, mais tu as laissé dans mes pieds, tu as John jusqu'à te coaguler là. Tu as fini de les frapper. Rends-moi celle-là. Quand on est là, on ne veut pas parler, vous mettez doigt dans la bouche des gens. Doigt dans la bouche des gens. Je ne sais pas dans quel village est brillé tu es quitté. Et puis tu es bête comme ça là. Je ne sais pas dans quel village est brillé tu es quitté. Quand on te regarde là, on ne sait même pas d'où tu sors. Toi, tu as ta soie sur panel pour parler de moi. Quand tu me regardes, tu peux parler de moi. Toi et moi, on n'est pas même chose, hein. C'est pas tes toglo, tu cours et puis tu portes et puis tes infestes sont en bas et puis un sein en haut là. C'est pas ça, hein. Quand tu me vois m'habiller là, tu vois pas comment je m'habille. Tu ne vois pas comment je m'habille. Tu crois que moi, je prends tout jaune pour mettre sur moi, chaussures jaunes, sac jaune, foulard jaune. Ou bien, habit bleu, sac bleu, bout d'oreille bleu. Regarde-moi cette villageoise là. Quand tu me regardes, on est la même chose. Je dis, il faut faire attention à toi, hein. Fais attention. Toi et ta fille là, fais attention. Vous-même, vous savez que quand on commence là, il n'y a pas arrêt. Voilà. Moi, j'ai fait guerre d'Indochine. Personne ne m'a battu. Ce n'est pas toi. Toi, saleté comme ça, c'est pas toi. Toi, saleté comme ça, depuis tu as ta maison où tu es dedans, là, ça fait combien de temps tu as changé de position de fauteuil là? Viens me dire. Tu as fait combien de temps tu as changé de position de cette maison là? Viens me dire. Une femme mariée qui n'entretient pas sa maison. Depuis que je t'ai connu sur les réseaux sociaux là, ta maison est toujours dans la même position. Moi, je suis en train de refaire ma maison. Hein. Femme célibataire, je vais te montrer demain ma maison, comment c'est vide au salon. Tout ça là, j'ai bradé. Moi, je suis capable de tout. Tu n'as rien, puis tu es fait parler avec quelqu'un. Tu n'as rien, et puis tu es fait parler. Quand tu te regardes, tu me regardes, on est même chose. On est même chose. C'est vous qui pleurez, garçon, c'est vous qui pleurez, pine. Moi, je ne pleure pas, pine. J'ai déjà fini de faire mes enfants. Si je veux, je me marie. Si je veux, je reste tel que je suis. Je ne pleure pas, pine. C'est toi ton combat comme ça, on devient frontanaire d'un bébé. Ton combat comme ça, on devient frontanaire d'un bébé. C'est toi. À cause de ça, tu mougoues partout à Paris là-bas. Ton tronc, ton vilain tronc là, tu mougoues partout comme ça. Une malade comme ça, elle est malade de sexe quand vous la voyez là. Et puis elle est infectée, vous qui la mougoussez là, faites attention. Elle va vous donner maladie là aussi. Elle va vous donner maladie là. Elle va vous donner ça. Si vous ne faites pas attention, l'infection qu'elle a là, c'est une infection qui gagne les gens. Si vous ne faites pas attention là, vous allez mourir. Regarde-moi celle-là, une salope comme ça. Toi, t'assois, t'as venu parler. Toi, tu m'as parlé de quelqu'un. Tu m'as parlé de quelqu'un sur Facebook. Parce que quand tu parles, on te regarde, on rit, on met un peu de comédie dedans. Qui a commencé à faire là? Depuis 2022 là, qui t'a adressé la parole? Tu m'as une fois vu t'adresser la parole sur Facebook. Tu m'as une fois vu parler de toi sur Facebook. Hein? Tu m'as une fois vu parler de toi. Ce que tu as dans ta maison là, tes camarades qui sont autour là, ce sont eux qui prennent ton histoire. De façon que tu penses que tu connais nous notre histoire là. C'est comme ça, eux aussi prennent pour toi. Et puis ça va confier ça aux gens, puis ça vient nous trouver. Donc ce que tu as dans ta maison qui est paralysé là, c'est maladie aussi. C'est maladie. Lui, ses pieds là, ça ne va jamais se redresser. Oh, tu es en train de dire que quelqu'un est infecté. Mais celui qui est infecté là, il marche avec ses deux pieds. Elle en bonne santé, elle marche avec ses deux pieds, elle n'est jamais couchée à l'hôpital. Mais pour toi là, tu as oublié de suer cul là. Tu as oublié de suer son cul. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Tu as ça dans ta maison. Au lieu de t'occuper de ça. Au lieu de t'occuper de ça, parce que maladie, on n'achète pas. Mais quand tu parles de maladie, tu insultes quelqu'un puis tu colles maladie sur la personne. La personne aussi va dire ce qu'il y a dans ta maison. Voilà le problème. Hein. Voilà le problème. J'étais dans mon coin. Je m'apprêtais à me coucher. J'étais en train d'essayer mes habits parce que je m'en vais à mon holiday. Tu viens me provoquer la nuit là. Ton combat tellement, tu as monté dans tous tes panels, comme si tu n'as pas marié à la maison. Tous les panels d'aujourd'hui là, tu étais dedans, en train d'insulter, insulter, insulter. Toi, tu te prends pour qui même? Toi, tu te prends pour qui? Tu cherches camaraderie quoi? Tu cherches nom la nuit, on va te donner nom. Ton mari là, il n'est pas couché à la maison là-bas. Il est venu nu, et puis tu es sur panel. Femme mariée. Femme, son mari, son djandjou. Tu es sur panel, tu es couché sur panel là-bas. Tu es en train de chercher Nyanga où il n'y en a pas. On ne l'a pas provoqué. Hein. C'est elle qui est venue nous provoquer cette fois-ci. Avec sa fille, les deux djandjous de la toile, les deux traîtres, les deux hypocrites, ils se sont levés comme ça un beau matin. Ils sont venus faire panel. Ils sont venus, ils nous ont critiqué bien. Et puis, elle a dit à sa fille de sortir. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Personne n'a fait palabre avec eux. Sa fille dit qu'elle est venue décongeler. Elle est venue nous insulter. Elle était en bas. Elle insultait. Tous les captures d'écran de ta page où tu insultais sur le panel de ta fille, là, j'ai ça ici. J'ai ça ici.
Donc, donc on insulte en bas de live de quelqu'un, là, ça fait mal. Et puis toi, tu t'en t'assois, tu nous insultes, vieille mature. Et puis tu vas venir t'asseoir pour dire, je ne suis pas dans palabla, hein. Palabla, je n'ai pas été dedans. Pourtant, c'est toi qui as allumé le feu. Ta fille est moins personne sur Facebook. Elle moins même pas résignée. Deux vidéos seulement, là, elle a tué. Elle est venue bégayer, on dirait bobo. Bobo, femme mariée responsable. Une femme mariée qui est dans le foyer, qui insulte sa famille, sa belle famille. Elle n'a même pas honte à venir s'asseoir. Ah, moi, mais j'ai parlé de ma belle famille. Tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein? Si vous ne voulez pas vous marier là, quittez le foyer. Il y a des gens qui vont rentrer. C'est ça que vous venez, vous faites semblant de défendre. Que non, José, nous on dépend la cause. Vous défendez quelle cause? Vous tous vous baisez. Toi et ta fille, vous mougoussez partout en désordre. Vous connaissez. Vous avez dit à soi, toi tu défends José. Que je, non, José, je défends Aline. Tu sais pourquoi tu défends Aline? Parce que toi, on t'a traité d'infidélité ici. Ton mari même peut témoigner. Tu ne sais pas qu'elle connaît ton mari. Je te dis la vérité. Tu sais pas qu'elle connaît ton mari. Le monde là, c'est petit. Hein? Le monde là, c'est petit. Ça tourne comme ça, mais c'est très petit. Fais très attention à toi. Ah oui, oui, oui. Fais très attention. Parce que à l'intermédiaire de quelqu'un, je vais connaître ton mari. Tu comprends un peu ce qu'elle dit? Mon ami de mon ami est mon ami. C'est comme ça que je connais ton histoire. Donc, il faut la fermer sur Facebook. Tu la fermes, ta sale gueule. Il faut fermer. Et puis, on va passer à autre chose. Tu as compris? Si tu es venu réveiller, recoucher là, on va te dire que nous, on va réveiller salade pour toi. Parce que nous, on mange que de la salade. Nous, on n'est pas des villageois pour venir réveiller, recoucher sur Facebook. Moi, je mange English breakfast. Je ne mange pas le recoucher, moi. Je ne suis pas une personne de recoucher. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui ressemble à recoucher. Je ressemble à quelqu'un qui ressemble à recoucher. Mettez des cœurs sur le direct. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui m'a recouché. J'ai dit, ne me provoquez pas. Quand je suis assis dans mon coin et puis je ne parle pas, tu allais écrire quand ta fille faisait direct, tu étais en bas, vous étiez en train de rire, vous étiez en train de nous provoquer, vous étiez en train de nous insulter, puis tu étais en train d'ouvrir ton nirem d'agloué là, tu étais en train d'ouvrir ça pour rire en bas, avec des injures à la pu. Tu veux que je te montre les injures que tu as écrit en bas là-bas, tu veux que je te montre? Vous croyez que c'est vous qui dirigez Facebook? Nous tous on dirige Facebook, ok? Quand on ne parle pas et puis on est dans nos coins là, c'est parce que nous on a envie de changer notre mode de vie. On n'a pas envie d'être des femmes irresponsables de Facebook. On n'a pas envie d'être des femmes malheureuses de Facebook qui ont mourou pas. Leur mari ne mourou pas dans leur maison. Donc, elle se réveille matin là. Ils pleurent. Ils se consolent. Et puis, sa fille, elle se console. On ne les mourou pas. On ne les baisse plus. On leur coin est sale. On ne les baisse plus. Donc, elles sont là. Elles sont là. Elles cherchent des petits gars. Ça vous a vu, vous avez vu son con beurré là. Son con beurré là. On a vu ça. Elle, ses gros doigts. Coucou là. En train de se m'applaudir sur Facebook. Une saleté de vie comme ça. Toi, tu as t'asseoir pour venir parler. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Si tu es ni en colère, qu'il y a quoi en bas de toi, il y a quoi en bas de ta maman, de ton père, il y a pine en bas de ton père. Je vous attends. Je vous attends. Dis à ta fille, ces fesses qui sont finies et puis c'est repassé là. Ancien Janjou du quartier là. Faut lui dire, je vous attends. Vous me connaissez quand je vous attaque là. Quand ça commence là, hein, les autres à côté là, je ne les vois pas. Dis à vos enfants, je ne les vois pas. C'est toi, mon cible. Toi et puis ta fille, des hypocrites de Facebook, c'est vous deux, j'ai affaire à vous. Comme tu es venu m'insulter là, c'est ta portion de ce soir. C'est ton petit déjeuner de ce soir. Je suis venu seulement te donner à manger. Demain là, faut ouvrir ton nirin qui se promet sur Facebook là. Ouvre. Ancien Janjou, ouvre. Ouvre ton nirin là encore, ton bocal là. Faut ouvrir et puis tu vas venir m'insulter. Je t'attends. Je t'attends. Ceux qui donnent des informations là-bas, là, eux aussi viennent me donner aussi pour toi. On dit, dans ton placard, là, il y a un enfant qui est handicapé. Ses deux pieds là sont cassés. Demain, là, il faut venir. C'est pas pressé. Hein. Ce qui va venir prochainement, là, c'est de l'eau. Hein, j'irai sur de l'eau. Tu connais ça? Femme qui n'a plus de village, là. Regarde-moi celle-là, irresponsable. Tu as des grands-enfants, tu t'assois pour réfléchir. Comment j'ai fait pour nourrir mes grands-enfants? Tu es là, tu es dans la bassesse. Tout le temps, c'est toi, tu es dans la bassesse. Depuis maintenant, on te regarde. Depuis ça a commencé à essayer de t'observer, j'ai ri. Genre, tu as trop raison, quoi. On ne provoque pas le lion qui dort en moi. Hein. Je suis la lionne. Mon signe, là, c'est lionne. Je suis très dangereuse. Quand je framponne, là, je ne framponne pas dans l'air. Hein. Je framponne dans ton gros boda. C'est là-bas que je vais framponner. Hein?
Il y a un framponné là-bas. Moi-même, là, j'ai un con. Et puis, il te parle. J'ai dit, toi, ton con, là, c'est pourri. Ton con, là, c'est infecté. Ton con, là, il y a toutes les maladies dedans. Toi, tu as ta soif pour venir parler. Demain, encore, faut sortir. Une chienne, ça tes cheveux qui arrivent jusqu'à derrière ici là. On dirait un bébé qui est né, qui est frontané là, toi, il est fatigué là. Quand tu me regardes, tu es malade, tu es cinglé. Ils ont pété dans ta tête. Ils ont pété dans ta tête. Jesse dit, tu ne mourras plus. Quel est le problème? Il dit, il aime Rose Bonbon. Rose Bonbon dit qu'il est marié. Hein? Parce qu'à cause des petits pectoraux à faire là, tu as failli devenir dingue. Une femme bordel comme ça des réseaux sociaux. Toi, tu peux venir parler. Faut sortir demain encore. Je t'attends. Salope. Bâtard là. Connasse là. Poufiasse là. Je t'attends. C'est injuste seulement. Je vais pédaler avec toi d'abord. Avant qu'on s'explique. Boda Krou, Nyamro Deni, il bat bien. Il fait bat bien. Il bamso bat bien. Ton enfant aussi là, son bat bien. Sa maman son bat bien. Son papa son bat bien. Imbécile que vous êtes. Des chiennasses. On peut avoir l'argent comme ça, on peut avoir bon mari et puis vendre à tiéke sur Facebook. Regarde-moi, vendeuse à Jovan là. On t'a dit, je vends à Jovan sur Facebook. Quand tu me regardes, je ressemble à Jovan. Je ressemble à Jovan. J'ai dit, méfiez-vous, hein, vous deux là. Méfiez-vous, je vous ai à œil. Hein. Parce que pour moi là, ça reste pas seulement sur Facebook. Hein. Le jour vous et moi là, on se croise, on se botte correctement. Faut être prête. Hein. Tu es pitri, on dirait naine là. Faut être prête. Hein. Faut être prête. Je te dis en même temps. Un homme averti en vaut deux. Je te parle à ma tête, comment c'est qu'à rester dans tes oreilles face à la sortie. Aïe, petit, aïe, t'a mis comme ça, pa. Tu es devenu folle. Toi, tu es l'homme, toi, une femme irresponsable, immature de la toile, qui réfléchit pas à ses sens au complet. Tu t'as fini de laver le cuir des vieux à l'hôpital là-bas, là. Faut fermer chaque tape bit. Close it, zip it. Ok? Look at her. My goodness, I'm so tired. J'étais prête pour aller dormir. Hein? J'étais prête à aller dormir. Toi, tu as venu me réveiller en esprit. Fier de coche belle amie. Et coche belle amie. Toi, tu peux parler de moi. Nyamro Deni. Ton papa bat bière encore. Ta maman bat bière. Toi, c'est toi qui sais décongeler. C'est toi qui tu viens décongeler. Quand tu décongèles, il faut assumer. Si on était là, on ne parlait pas de quelqu'un. Personne ne faisait vidéo sur Facebook. Chacun était resté dans son coin. Tu te lèves comme ça, toi tu vas venir faire vidéo sur quelqu'un. Tu vas venir faire vidéo, puis la personne va s'asseoir et va te regarder. C'est vous qui avez envoyé ce palabla. Sinon, depuis 2022, je n'ai pas encore dit ton nom. Vieille poufiasse. Toi, tu vas te prendre pour un bébé sur Facebook. Que ma maman, ma nyeren, a sa fille, son front, on dirait quoi chi encore la raté là. Vous allez vous asseoir pour venir insulter les gens. Vous dites que vous parlez. Maintenant, vous victimisez pourquoi? Vous allez venir insulter les gens, puis vous victimisez. C'est par rapport à quoi? Hein? On peut venir réveiller croûte pour dire que j'ai lavé, j'ai décongelé. Puis après décongélation, on va ranger croûte là dans le frigo, dans le congélateur. C'est vous qui avez décongelé. Pourquoi folie vous prend aujourd'hui? Folie qui vous prend la sécurité où? Je te dis, aïe, des vieilles chouettes comme ça là. Folie qui les prend la sécurité où? La honte à vous. La honte à vous. Je te dis, hein, Charlotte, c'est des bâtards, des vieilles frustrées comme ça, comme nous, qui viennent s'asseoir. Ils sont mariés, on ne dirait même pas qu'ils sont mariés. Vous êtes dans le foyer. Quand on est marié, on est dans le foyer, on restait son mari. Quand moi, j'étais dans le foyer, là, je ne sortais pas. Je ne partais pas en boîte. J'étais tout derrière mon mari parce que j'aimais mon mari. Vous qui vous mariez parce que vos amis se sont mariés. Vous mariez quelqu'un, vous le déposez pour mougousser en pagaille, là. Des vieilles bordels comme ça, vous allez vous asseoir pour insulter les gens. Toi, tu ne peux pas m'insulter. Hein? Si vous m'insultez, envoie. En calé sans lait là-bas. En calé en lait. Vraiment, c'est vieille Janjou de Paris là. Jantra de Paris. Toi, tu peux dire à quelqu'un qu'il est Janjou. Tandis que toi et ta fille là, vous baisez les petits gars partout. Toi, tu peux dire ta fille, elle cherche Blofouet. Parce qu'on les connaît. Elle, c'est Blofouet. Elle a toujours cherché. Quelqu'un qu'on peut être dans le foyer et puis chercher Blofouet comme ça. On peut être dans le foyer et puis chercher tout babou dehors. Des femmes irresponsables comme ça, là. Ah, ça, mon cher, ça, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût. En tout cas, il y a les toulous comme ça, là. Les toulous mamans comme ça, là. On vous attend. Envoyez vos bergers allemands, là. Ils vont venir écraser ceux qui vont écraser. Mon cible, là, c'est vous deux.
Aujourd'hui, là, je vais te ménager avec ta fille. Mon cible, là, c'est vous deux. Voilà. On n'insulte pas mes enfants. On n'insulte pas ma petite soeur. On n'insulte pas mon beau-fils. Je t'attendais depuis là. J'attendais que tu passes épée. Et puis, on a fait yépélé. On a fait yépélé. Aïe, c'est mon beau-fils. C'est le neveu de mon mari. OK? Mon beau-fils. Yépélé. Il a fait ta sauce. Ça t'a pas limité. Tu veux venir ici, sa vieille mère. Hey, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Aïe, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas été un go zigei. Ton zigeia là, il a levé ça dans toi. Go babie. Go trou trou nou. Go janju. Go sao. Sao toutou. Toutou brodé. Brodé toutou. Janjuya de première classe qui mougou tous les petits gars du quartier. Sao comme ça. Une malade comme ça là. Sida là, c'est chez toi, ça y est. C'est toi qui es la malade. Une malade mentale comme ça. Qui a pris toutes les maladies du monde qui a mis dans son corps. Que je travaille à l'hôpital. Toi, tu fais qu'elle travaille à l'hôpital. Si ce n'est pas pour l'essuyer les fesses des blancs. Toi, tu fais qu'elle travaille là-bas. Blouse que tu portes là. C'est blouse des infirmiers. Tu viens t'asseoir pour mentir. Je travaille. Je suis infirmier. Toi, tu peux être infirmier. Une infirmière illettrée. Qui ne sait pas écrire. Qui ne sait pas lire. Toi, tu peux être infirmière. Quand une infirmière parle là, on sent qu'elle est intellectuelle. Dans son parler, on sent qu'elle est intelligente. Toi, tu es qui même? Who are you? You are nothing. Look at her. Like a bullshit. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler des bonnes personnes. Je ne veux plus te voir prononcer notre nom. Hein. Tu as compris, non? Nous, on se respecte en Angleterre ici. Nous, on se respecte en Angleterre ici. Rends-moi cette salope-là. Cette poufiasse-là. Ne mettez pas les mots comme ça. Si vous mettez les mots là, ça, ils vont vous bloquer sur Facebook. Hein. Arrêtez, c'est pour ça que je code les mots un peu. Oh, sorry, j'ai enlevé un message de quelqu'un. Oh, désolé. Oh. Voilà. Arrêtez d'écrire les mots. Quand vous écrivez les mots un peu, chose là, on peut vous bloquer. On peut vous bloquer. Voilà. Claude Baya dit qu'elle n'est pas infirmière. Elle n'est pas infirmière. Qui ne connaît pas? C'est les villageois là, elle va mentir. Les villageois comme ces enfants-là, ce sont elles, elle va mentir pour dire qu'elle est infirmière. Qui ne sait pas qu'elle est lave-cul à l'hôpital? Elle est fille de sale. Aïe dit qu'elle est fille de sale et puis ça lui fait mal. Qui est fille de sale? Qui est fille de sale? Tu es fille de sale. Quel est ton salaire? Tu es fille de sale. Depuis combien d'années tu fais ça? Tu n'es même pas ambitieuse. Tu as parlé là-bas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu viens t'asseoir là, ta fille, elle, son front, André, le lavabo là, elle vient s'asseoir là, et t'as résigné là, tout ce que tu fais, ça a échoué. Ta maman qui faisait 14 février là, fait des mariés, d'après elle, elle est lourdement mariée. Son mariage, sa fête de 14 février là, c'est resté où? On n'a rien vu dedans, hein? Vous avez fait la pub là, c'est resté, c'est sorti zéro. C'est sorti zéro. Mandéré, je suis là, je vais bien. C'est sorti zéro. Je dis, arrêtez, hein. Arrêtez. Ok? Mon jeu de jambes n'est pas bon. Hein? Mon jeu de jambes. Hé! Hey! Je vais vous têter vos fronts qui sont lâches là. Je vais vous têter vous deux là. Vous prenez papier, vous têter. Est-ce que vous connaissez? Depuis vous avez eu coup de tête de femme. Vous avez vu femme vous donner coup de tête. Depuis tenir, on t'a donné coup de tête. Faut pas jouer. Hein? Je frappe. Hein? Quand tu frappes là, faut pas que tes petits gars là vont venir pleurer. Hein? Je te dis ça en même temps. Quand je vais te botter là, tes petits gars là, faut leur dire, hein, ils vont pas te reconnaître, hein, faut te renseigner, hein. Quand tu parles là, tu parles et puis ton nire parle, ton cul parle, tes poils parlent, ton vilain clitoris parle là. Il faut te renseigner qui je suis, hein. Il faut demander mon renseignement, hein. Oui, c'est les jeux des jambes. C'est ça, oh. Prisca de la chance. C'est les jeux des jambes. Hey, papa! Faut te renseigner, hein. Quand elle te frappait là, tu n'as pas te reconnaître. Tu me vois si petite, hein. Je suis fléqué, mais quand elle t'a attrapé, elle te botté là. Ton mari même va pleurer toute sa vie. Non, tes petits gars vont pleurer toute leur vie. Faut dire. Ta fille qui s'assoit par la fenêtre et puis elle fait direct là. Il faut lui parler. Hein? Mon affaire est compliquée, hein. Mon affaire est très compliquée. Je ne laisse pas parler comme ça, hein. Tant qu'on ne s'est pas botté là. Toi, pitri là. Pitri, la naine des ébriers, là. Tant que tu n'es pas frappé, là, tu ne vas pas connaître ma valeur. Faut faire.
faut me provoquer seulement. Mon nom est déjà en prison là-bas. On me connaît en prison là-bas. On m'appelle John Brie. Tu connais pas? Il y a déjà Nimi Kaba. Il a fait déjà 10 ans Kaba et puis c'est sorti. Tu connais pas mon affaire? Il y a de beauté. J'ai t'accidenté et puis j'ai reparti là-bas encore. Faut bien te renseigner. Hein? On t'a pas encore donné. Faut venir me voir et puis te donner mes informations, Joe. Hein? Toi, tu dis que tu es zigué. Moi, je suis John Brie. Il a vadi ça. J'ai te vadi. Tu connais pas? Moi, je parle pas beaucoup. Hein? Quand elle sort là, je parle pas beaucoup. Hein, c'est la naine, Mariana, c'est la naine des ébriers. Hein, la naine, la plus courte des ébriers. Elle est sur talon, même on la voit, elle est par terre. 1m45, c'est elle qui va venir parler sur quelqu'un. Toi, si elle t'attrape là, elle fait un bras, puis elle te roule comme ça. Elle te jeter, tu vas tomber là-bas. Et puis tes petits gars vont dire, oh yo, tu as tué notre jouet. Toi, tu vas parler. Quand elle parle là, tu fais chouche, et puis tu la fermes, et puis tu continues ton chemin. Hein? Toi, tu crois que ta fille, elle m'a créé quoi? Elle est venue, elle a créé quoi? Elle est venue, elle a récité tout ce que tu lui as dit là. Après ça, là, elle bégayait. Rien ne sortait de bon. Elle est là, elle bégaye. Quand on a un mari à la maison, quand on respecte son mari là, on ne provoque pas les gens. On ne rentre pas dans les gens. On ne vient pas insulter les gens. Depuis 2022, là, on ne t'a pas encore dit un seul mot. C'est toi ce qui es sorti avec ta fille pour venir nous récaptiver, résumer ce que vous avez vécu en 2022 en nous insultant. Je prends Facebook en témoin parce que vous êtes là, vous avez suivi. Depuis un moment, on ne faisait pas de direct. On ne parlait pas de quelqu'un. Ils sont sortis de nulle part. Ils sont venus décongeler. On ne pleure pas, hein. Votre truc, vous êtes venus décongeler là. On ne pleure pas, hein. Je vous dis en même temps. On ne pleure pas.